Et cette semaine, j'étais un peu absent de YouTube, petite raison personnelle. J'avais un gros bouton au milieu de la tronche et je me voyais pas trop venir m'afficher avec cette espèce de pustule dégueulasse en plein milieu du visage. Donc j'ai préféré me concentrer sur ma deuxième passion où on me voit moins, à savoir Instagram, la photo. Donc j'en ai profité pour refaire une série de clichés que j'ai publiés sur mon Instagram. Et ça m'a fait réfléchir à la manière dont je pouvais optimiser mon Instagram et c'est ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. Je vais te parler du ménage que tu peux faire sur Instagram. C'est le printemps, enfin normalement le printemps est un peu avancé, donc c'est le moment de faire du ménage. Et comment tu peux nettoyer ton feed Instagram pour améliorer la publication, la portée de tes photos, de tes stories, de tout ce que tu publies sur Instagram. Instagram fonctionne comme Facebook, avec un algorithme, et l'algorithme d'Instagram, il décide que, je simplifie, sur 100 personnes qui sont abonnées à ton compte, il va montrer tes photos à 30 personnes. Voilà, c'est un plus ou moins 30% de portée naturelle. Si ces personnes interagissent avec tes contenus, donc mettent des likes, font des commentaires, partagent, sauvegardent tes contenus, l'algorithme va dire, tiens, ces contenus-là sont intéressants, je vais les proposer à d'autres personnes via les hashtags, via les publications suggérées, via les centres d'intérêt de certaines personnes, et donc tes publications vont potentiellement attirer de plus en plus de monde, et augmenter ton nombre d'abonnés, et donc ta visibilité. Il y a toute une série de personnes qui ont des comptes, qui sont des comptes dormants, des comptes morts, des comptes fantômes, des comptes inactifs. Tu les reconnais parce que généralement, il n'y a pas de photo de profil. C'est des gens qui ont style zéro publication, 1400 abonnés, 350 abonnements, ou l'inverse. Et c'est des gens que tu ne vois jamais interagir avec tes comptes, parce que c'est des gens qui sont abonnés à ton compte via des bots, via plein de systèmes automatisés, et qui n'ont qu'une valeur ajoutée pour ton compte. Aussi tous les comptes d'entreprise, bon, pour peu que tu fasses une publication concernant, un appareil photo, tu peux très bien avoir un revendeur qui s'intéresse au hashtag de l'appareil photo, Sony par exemple, qui va venir s'abonner à ta chaîne parce que une fois dans ta vie Instagram, tu as publié une photo d'un appareil photo. Et puis ce compte-là va plus jamais interagir avec ton compte. Donc ça veut dire que tous ces comptes-là, c'est des comptes qui viennent un peu fausser la donne, dans le sens où quand Instagram va diffuser ta publication à tes fameux 30% d'abonnés, si t'as pas de chance, il va diffuser ses publications aux 30 comptes qui sont les moins actifs et donc qui feront pas de commentaires, qui feront pas de likes, qui feront pas de partages, qui feront rien avec ta publication. Et l'idée, évidemment, c'est que tu publies quelque chose et qu'il y ait une interaction pour augmenter justement cette portée. Ça veut dire que si tu nettoies ton compte, si tu enlèves au maximum, si tu essaies de nettoyer, d'écrémer, de supprimer tous ces comptes dormants, ces comptes inactifs, tu te retrouves avec potentiellement beaucoup plus de comptes susceptibles d'interagir, des comptes actifs, des comptes qui vont interagir avec tes publications, qui vont commenter, qui vont liker, qui vont partager, qui vont sauvegarder, etc. Et donc ça renvoie un signal à l'algorithme d'Instagram qui va dire « ce contenu-là est intéressant, je peux le pousser, le suggérer à d'autres utilisateurs » qui ont le même type de centre d'intérêt. Et donc, la portée naturelle de tes publications va augmenter, de plus en plus de gens vont voir tes publications, et de plus en plus de gens peuvent potentiellement s'abonner à ton compte. Ça ne veut pas dire que ces gens-là vont d'office devenir tes utilisateurs super actifs, mais ça veut dire que régulièrement, il faut faire une repasse sur tes abonnés, et ne pas hésiter à supprimer les gens, ne pas hésiter à désabonner de manière un peu forcée les gens qui n'interagissent pas avec ton compte. Alors évidemment, je ne dis pas que tu dois virer tous les gens qui n'ont pas d'interaction avec tes comptes, parce que simplement, tout le monde n'a pas forcément envie d'aller mettre un commentaire, d'aller mettre un like, etc. Mais tu sais qu'il y a des gens qui sont abonnés à ton compte et qui n'interagissent jamais, des gens qui sont sur Instagram depuis 4, 5 ou 6 ans et qui n'y viennent plus du tout. Ces gens-là, tu peux les virer et au pire, s'ils sont vraiment intéressés par ce que tu fais ou s'ils sont tristes parce que tu les as virés, ils referont une demande d'abonnement si ton compte est privé ou ils se réabonneront naturellement si ton compte est public. Petite astuce, parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup, c'est quelque chose que je répète souvent aux gens que je connais dans la vraie vie. Si t'as un compte privé sur Instagram, ça sert à rien de mettre des hashtags parce que personne ne les voit. Donc perds pas ton temps là-dessus. Donc ça, c'est la petite astuce du jour. Et pour le reste, moi je t'invite évidemment à faire ce nettoyage. Alors faire attention quand tu fais du nettoyage, faut y aller doucement pour pas qu'Instagram pense que tu utilises des applications, des bots, etc. Tu enlèves une trentaine de personnes, je dirais par jour, et des gens qui lisent toutes les heures, etc. Moi je dirais, tu fais un nettoyage, tu prends 20-30 personnes par jour, et tu les enlèves si tu as suffisamment d'abonnés pour pouvoir le faire évidemment. Et ça te permet de nettoyer au fur et à mesure ton compte. Alors, moi j'ai essayé cette méthode-là pas plus tard que ce matin, et j'ai beaucoup plus de réactions de personnes qui ne voyaient plus mes publications et qui viennent liker maintenant mes contenus, ce qui veut dire que mes publications étaient proposées à des comptes qui n'avaient pas d'interaction avec mes publications et que donc je perdais probablement un peu en visibilité. Finalement, exercice intéressant, ça prend du temps, mais si tu veux que ton Instagram décolle un peu et que ça t'aide à soutenir soit ton Instagram en lui-même ou d'autres projets comme par exemple les publications que tu peux faire pour promouvoir ta chaîne YouTube, ça me semble être une méthode qui n'est pas super contraignante, si ce n'est le temps que tu y mets et qui permet probablement
d'améliorer ta visibilité à la fois sur Instagram, mais aussi sur tes autres canaux. Voilà, c'était un contenu un peu différent de ce que je fais d'habitude avec YouTube, iMovie, machin, etc. Mais comme j'adore Instagram, bah voilà, je voulais partager ça avec toi. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en as pensé. Si cette vidéo t'a plu, le petit pouce bleu qui permet de soutenir la chaîne, le partage vers les gens que tu connais, vers les groupes sur lesquels tu pourrais être inscrit et qui ont peut-être besoin de cette information. Voilà, et puis moi je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.